Et yo tout le monde, c'est les Mantis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit peu de ladder avant d'attaquer la CRL. Parce que je le rappelle, hein, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, je serai sûrement en train de jouer le qualifier puisque je joue à 17h. Donc, souhaitez-moi bonne chance hein, parce que vu l'entraînement que j'ai fait, je vais en avoir besoin. Enfin bref. On n'oublie pas aussi le code créateur Lemonti dans la boutique si vous voulez acheter des gemmes, des offres ou juste le pass royal. Moi, ça me soutient et vous, ça vous coûte absolument rien en plus. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est ce deck-là. Pour ceux qui ont vu la vidéo où je jouais le deck de Viper, je l'ai croisé deux fois d'affilée. Bon, évidemment, il y avait Cage et Tornade, donc c'était compliqué. Et je me suis dit, bah, ça peut être l'occasion, je crois que j'ai fait qu'une ou deux vidéos sur l'électro-géant, parce qu'à la base, il n'était pas si fort que ça. Mais honnêtement, je le vois de plus en plus et je me dis, bah, pourquoi pas essayer en ladder et voir ce qu'on peut faire avec. Il y a une carte qui varie souvent, c'est celle-ci. Vous pouvez mettre soit Dark Prince, soit Charrette à canon. Moi, je vais tester avec Charrette à canon, on verra si on modifie et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, on est parti dans la première game. Oh, ok, ça y est. On est directement dans la game. Du coup, bah, c'est un deck qui coûte très très cher, surtout qu'on a mis la charrette. On va le souhaiter bonne chance. Hop. Et on va se préparer. On va garder notre charrette à canon. Notre sorcier de glace aussi. On va juste mettre un petit fût. On se méfie au cas où il a un archer magique. A priori, pas d'archer magique. Ouh, mineur zap, ça sent le molos. Alors, molos, je sais pas du tout. Oui, ça sent clairement le molos. Et en plus de ça, s'il nous donne un dragon de l'enfer, comme ça, gratuit. Ah là là, ça commence déjà très très bien. Parce que du coup, bah, très très mauvais placement de sa part. Puisque on va pouvoir... Ah, quoique, j'aimerais bien que ça le focus en vrai. Ah, dommage. Si ça focus le gobelin, ouais, c'est dommage. Vraiment dommage que ça focus le gobelin. Mais écoutez, c'est pas grave. Excusez-moi là. Y a pas un... Y a un petit problème ? Non, c'est... Oh ! Oh, dommage. Dommage, dommage, j'ai... Mais comment ça, mon ref PK mineur ballon ? Dragon de l'enfer ? Pardon, comment ça, genre ? Comment ça ? Bon, on va changer l'agro du mineur et... super, hein ! Ça va pas être facile pour passer, hein. On commence par une super première game. Je me suis dit, on va mettre des bons dégâts vu qu'il n'y a plus le dragon de l'enfer. Et c'était sans compter sur le PK juste derrière. Bah écoutez, on va essayer de se débrouiller autrement. On décale bien la cage goblin. Voilà, au cas où ils partent exactement comme ceci. Ça évite les mauvaises surprises. Si je l'avais mis au milieu et qu'il avait mis le ballon en retrait, bah, ça aurait pu être dramatique tout simplement. Donc on fait attention. On va quand même prendre les dégâts de mort, je pense. Mais c'est pas trop grave. Voilà, derrière nous on force. Non, on va pas foutre. On va pas foutre. Et on va partir juste en électro-géant, je pense. Hein. Tranquillement. Et on va essayer de push derrière. Pourquoi pas choper une value foudre après les archers. Je sais pas. Ouais, c'est pas ouf à foudre. Hein. On va bien voir. On va voir aussi quel sort il a. Est-ce qu'il a une boule de feu? Est-ce qu'il a un poison? Est-ce qu'il a pas de gros sort? Est-ce qu'il a un gel? Tant de questions. Si peu de réponses, mesdames et messieurs. On va bien voir. Hop. Alors ça. Ça, par contre, je prends. Super value de la tornade. Si on peut peut-être garder la charrette. Oh, dommage. On a rentré des bons dégâts, hein, mine de rien. Très très bon dégât, je pense même qu'on peut push puisque du coup la charrette va bloquer un petit peu. Est-ce qu'on peut connecter quelque chose? Allez, encore. Une petite Valkyrie là. Il veut pas me donner une petite Valkyrie. Bon, on va pas prendre de risque. Ne prenons pas de risque inutile. J'aurais pu tenter la foudre, mais honnêtement ça aurait été vraiment vraiment risqué pour le coup. Donc je préfère la jouer safe. Hop, voilà, on va aller gérer tout ça. Faudrait juste que ça reste en vie un peu plus longtemps s'il vous plaît. Ça peut passer. Non, ça va pas passer. Ok. Ça ne passera pas. On va rajouter la tornade. Ouais, ça va être compliqué là de reconstruire un push parce qu'il va sûrement remettre la pression à chaque fois. Donc on va mettre une charrette assez haute pour tuer la Vaki rapidement. Ok, il va pas partir. Ouais, je prends hein. Je prends, je prends. S'il a pas assez pour le PK, ça peut lui coûter très cher là ce qu'il vient de faire hein. Ça peut lui coûter très cher ce qu'il vient de faire. Hein. Regardez, regardez le géant qui connecte encore. Let's go. GG. GG. Ça finit. Quoi? Aïe, 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 aïe. Je rigole, j'ai rigolé. Nice, on va aller finir avec la tornade. Parfait. Ah là, il s'est fait bait. En vrai, il était un petit peu le cul entre deux chaises. Parce que soit il mettait le PK sur mon géant. Et derrière, bah, ma charrette, elle faisait une value monstre.
sur ses troupes. Ou soit il mettait le P.K. sur la charrette, mais bon, derrière le P.K. il s'est trouvé à taper un 500 mètres derrière le géant. Et du coup, c'est compliqué aussi pour défendre. Non, je pense que l'important, c'était vraiment de bien défendre. Vu qu'il n'avait pas de gros sort. Et vraiment d'accumuler le max de troupes et après faire un gros push. Donc vous voyez, hein, malgré P.K., malgré, j'allais dire tour de l'enfer, mais non, dragon de l'enfer. Et bah, on passe quand même assez facilement encore. Et bah, dis donc. Est-ce qu'on aurait un... Ouais, j'allais dire, ça m'étonnerait qu'on croise deux fois le même deck. Hein. Et bah, ce ne sera pas exactement le même deck, puisqu'il y a déjà du mortier en face. Mortier qui peut être intéressant aussi. On va bien voir ce qu'on peut faire. Si on peut sauter. Oh oui, ça c'est pas mal. Oh, ça j'aime bien. Est-ce qu'on peut choper un petit gang par hasard là? Oh oui, le petit gang. Oh là 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 là. Ça c'est le sixième sens. Le sixième sens qui du coup va nous faire connecter une charrette. J'étais sûr qu'il allait me foutre un gang. Ah, c'est parfait. C'est parfait ça. En plus de ça, je pense qu'on va pouvoir mettre le... En vrai, je me tâte à mettre un géant. Est-ce que... À votre avis, ça défend ou pas? Je tente. Vous savez quoi, les gars? Petite expérience sociale. On tente le prank du géant pont. Je veux voir si le mortier, ça défend. Parce que normalement, il aura pas assez pour mettre le prince. Et je veux voir si un mortier tout seul... Ok. Attends, mais ça met que dalle, là. Ah, mais oui, ça met que dalle, puisque le mortier tape pas le géant. Ok, bah... C'était la dernière expérience sociale, hein. Voilà. C'est plus la peine de m'en demander, hein. Je n'en referai pas. La tornade qui était peut-être pas nécessaire en vrai. Mais ok. Bon bah NP, hein. On a perdu tout notre avantage, mais NP. En fois d'élixir, on devrait reprendre le dessus dans tous les cas. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, honnêtement. Avec le baby dragon, surtout la foudre. Là, la foudre va faire énormément de value. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire, je pense, assez facilement. Hop, on va décaler un petit peu tout ça. Voilà, on va sniper un petit peu ces chauves-souris. On ignore toujours le mineur. C'est très important, hein, quand vous défendez, que ce soit contre mortier mineur ou même mineur cycle, en règle générale, que vous jouez un deck très lourd, vous ignorez tout le temps le mineur. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment les troupes qui sont bah, derrière, quoi. C'est surtout ça qui vous intéresse. Hop. Et non pas le mineur. Ok, parfait. Pour l'instant, on tient bon. Là, je pense qu'on peut partir en jeu. On peut se permettre de mettre un géant, je le mets pas trop loin non plus au cas où il recyclerait un mineur. Un mortier, pardon. Voilà, exactement pour cette raison là. Du coup, le géant qui va prendre l'aggro du mortier. Et derrière, on va commencer à pouvoir lui mettre une bonne pression. Parfait. Ok, on laisse tranquille. On s'acharne pas. On va peut-être pouvoir même recycler sur un géant. Oh, ce serait magnifique. Là, je pense que là, il peut pas défendre, là, honnêtement, là. Ah, quoique, s'il m'a mortier, bah, s'il peut carrément défendre, en vrai. Je sais pas. Je ne sais plus. Oh, attention, il y a du monde. Attention, frérot, les chauves-souris qui se font mode. Non, c'est GG. C'est GG. Allez, et la deuxième victoire. Le deck a l'air coriace, en tout cas. Hein. Peut-être que ça peut me faire un petit deck de secours pour la CRL, hein. À tout moment, je sors un deck que j'ai pas train du tout. Ça pourrait être assez drôle. Hein. Ça pourrait être très très drôle. On a croisé quoi du coup? P.K. Ballon et Mortier Mortibait. Ok. Ok, why not. Je connais pas trop les Arc Counters de ce deck. Peut-être Cimetière. Ça peut être compliqué pour moi. Mais sinon, je sais pas honnêtement. Je sais vraiment pas. Oh, Arc-X. Non, Arc-X, en vrai, Arc-X, ça va. Hein. J'espère que c'est Arc-X. Cimetière, je suis pas serein. Ah, parfait! Nice! Mon bon vieux copain Arc-X. Est-ce que ça suffit? Allez. Yes! Super! Est-ce qu'on se permet de mettre... Je pense qu'on peut se permettre de mettre un géant. Quoique. Non, allez, on est en retard en élixir. On va pas faire le fou. On va juste... Oh, allez, pas de géant avant le x2. On fait pas les ouf. Je crois qu'il... Vous pensez qu'il a reconnu le deck ou pas? Je sais pas s'il a reconnu le deck. En vrai, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il ait reconnu le deck. Par contre, c'est quoi cette blague? Non, le chevalier qui se barre. Non. Deux coups? Non. C'est une grosse blague. Oh.
Waouh. Ah ça par contre ça va faire mal hein, je pense hein. Non? Ça va faire mal même hein. Ça va faire très très mal hein. On peut rentrer des petits dégâts là, intéressant. Encore, encore un petit coup. Parfait. Nickel. On va même mettre une charrette vu que du coup il a plus de... Oh dommage, il manquait rien. Il me manquait vraiment rien. Oh ça connecte quand même. Parfait, 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 parfait. Il me manquait vraiment rien. Je savais qu'il allait mettre les squelettes. Je me tâtais à pré-shot. Mais il me manquait malheureusement 0,5 d'élixir pour aller les chercher. Mais au final on gratte quand même énormément avec cette charrette à canon. Et on se met plutôt bien. Je pense que c'est grosse erreur de sa part parce qu'en plus j'avais déjà la cache goblin. Et j'avais surtout le géant en main que je pouvais mettre au pont. Donc ouais. Mauvais choix de sa part. Là, on va attendre que ça connecte tranquillement. Et on va aller. Hop. Non. Ouais, peut-être. Ouais, pas trop mal joué de sa part, honnêtement. Après, est-ce que ça va être suffisant pour remonter? Je ne sais pas. Ok. Est-ce qu'il va tenter la boule de feu? Il va quand même tenter de le défendre comme ça? Hop, on n'hésite surtout pas à ramener les archères sur le géant pour qu'elle se fasse gérer. Je les ai peut-être mises un peu loin. Ouais, j'aurais pu les mettre un peu plus proches, honnêtement. Petit misplay de ma part, là. Mais c'est pas trop grave, je pense pas que ça va me coûter trop cher. Et là, ça va être le bonheur, les gars. On arrive dans le... Dans le x2 élixir. Oh, il manquait rien du tout. Il me manquait rien du tout pour poser le géant. J'ai trop le seum. Nice. Ok, la bûche. Ouais. Patience, patience, patience. Ça va le faire. Là, il peut pas. Il peut pas arc-kicks dans tous les cas. Donc, on est bien. Regardez la charrette. Hein. La charrette qui bloque complètement. Il va peut-être arc-kicks de l'autre côté. Non. Parce que là, il va prendre tarif là. Hein. Là, il va prendre très très cher même. Hein. Je sais pas comment il compte gérer ça, mais... Vas-y, bonne chance, hein. Bonne chance, mon pote, hein. Ah! Ouh, je le sens pas bien. Je le sens pas bien du tout. Ah, peut-être en x3, on va pouvoir passer. Je sais pas, hein. Là, je le sens pas bien du tout. Ok. Ok. On équilibre un petit peu. Il a quand même beaucoup gratté là. Peut-être que si j'envoie un deuxième géant. Allez, le deuxième géant. Le géant d'une life. La foudre. La foudre qui part. La foudre peut-être. Quoi? Non, c'est trop. Non, mais il a combien de Tesla, frérot? C'est trop! Comment est-ce qu'il fait? Comment il fait? Comment il fait? Il a combien de Tesla? Non! On va perdre sur ça, sur la connexion. Je pensais tellement que je pouvais passer plus facilement. Oh non! Bah écoutez, je serai pour la prochaine. Mais quoi? Quoi? Là en gros j'étais pas du tout dans une optique de jouer sur une game à égalité. Et c'est pour ça que j'ai clairement sous-estimé là. J'étais en mode bah dans tous les cas on est à égalité au niveau point de vie. Je me suis dit bah dans le x2 je vais forcément, voire même dans le x3 je vais forcément passer. Et au final même avec les foudres et tout, même avec un double géant Elec, il a réussi à défier. C'est abusé hein. Il cyclait beaucoup trop vite ses Tesla. Non. La revanche. Ah là par contre la revanche je joue sérieux hein. La revanche, allez s'il te plaît, une revanche Arkix. C'est tout ce que je... Non c'est pas Arkix, c'est cimetière. Oh non. Ou ballon, ça peut être ballon aussi. C'est vrai que ça peut être ballon. On va bien voir. Comment, bah c'est du ballon. On est obligé de prendre un coup. Ah ouais c'est pas facile, un tour à bombe là.
Ça va pas être simple. On va faire ce qu'on peut, hein. Peut-être notre gobelin à droite. Ouais, il va mettre seulement 2 coups. On va voir comment on peut la jouer. Peut-être si on met une petite pression à la charrette comme ça, vu qu'il a pas... Non, si, il a le chevalier, là. Ah, Valkyrie, ok. Bon, ça va. J'étais pas sûr. Ok, ok. On va bien voir. Faut vraiment qu'on temporise avant le x2 et qu'on essaie de pas prendre d'autres coups de ballon. On a le droit à 1 coup de ballon max à la limite de l'autre côté. Mais à gauche, on doit pas en prendre plus, hein. Très clairement. Parfait. Oh non. J'étais à 2 doigts de l'avoir. J'étais vraiment à 2 doigts de le choper, le mineur devant. Parce que là, il grade pour l'instant. Ok, on va peut-être pouvoir... on peut géant, je pense. Ouais, on peut géant. Autorisation de... Ah, quoique, c'est 6 secondes. Ah, c'est chaud, là. S'il part l'opposé, c'est très très chaud, même. Non, c'est bon. Il va pas le tenter. Parfait. J'avais peur qu'il tente de me pression à l'autre côté. Mais au final, il l'a pas fait, donc tant mieux. Il va sûrement mettre une tour à bombe middle, voilà, pour éviter la foudre. Hop, comme ça, on pré-shot. Ah, dommage. Encore une fois, on va pas passer. Il faut vraiment être patient. Tranquille, on a le temps. Tranquille, tranquille. Faut pas se presser. Ah ouais. Ok, comment il veut jouer ça? Il veut pas rajouter de mineur? Juste un petit... Moi ça me va, hein. Moi ça me va très clairement, hein. Là on va mettre le baby drag. Ce coup-ci on va garder assez pour la foudre. Oh! Peut-être qu'on peut... Non, ça va pas passer encore, hein. Encore une fois, on va pas passer, hein. Ce qui va recycler sur sa tour à bombe, je pense. Ok. Peut-être que là, ce coup-ci, on peut peut-être mettre des dégâts. Peut-être alors. Ok, 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 ok. Oh, mais attends, mais... What? What? Mais what? Mais attends, mais un coup. J'envoie 25 d'élixir. Là, je pensais vraiment pas que ça allait passer, hein. J'étais en mode, on va gratter un petit peu, on va juste full def. Contrairement à l'arc-kick, j'étais pas confiant. What? Ouais, très très bizarre, hein. J'ai pas compris à la fin, il a pris 2000 HP quasiment tout seul. Donc ok, ok, ok. Bah écoutez, hein, on va pas se plaindre, hein. Petite victoire et puis on va... Oh, impeccable. Est-ce que ce serait du PK? Est-ce que impeccable... Ah oui, c'est impeccable au final, c'est même pas impeccable. Je sais pas pourquoi j'ai dit à l'anglaise, mais... On va mettre la petite cache goblin. Voilà, j'ai mis la cache goblin parce que j'avais pas le... Ah ouais, là c'est la merde, hein. Là, c'est les problèmes. On n'a vraiment pas une bonne rotation. Bon, c'est pas grave. On va, même s'il active la tour du roi, honnêtement, avec une tornade, c'est pas grave sur notre géant. Ce qui compte, c'est vraiment qu'on défende, pardon, ce push golem sans trop de soucis. Ok. Voilà, j'attendais juste qu'il me rajoute. Hop là! Un deuxième petit dragon! Histoire de vraiment me mettre bien. Est-ce qu'il va l'activer? Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Dans tous les cas, on pouvait pas y faire grand chose, hein. Il a golem first play, les gars. Moi, j'avais mis ma cage. J'étais quasiment sûr que ça allait arriver. C'est pas trop grave. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on push ou est-ce qu'on push pas? Je pense qu'on peut push, en vrai. Je pense qu'on peut push à l'opposé. Puisque on est peut-être un petit peu en avance. Et il me semble qu'il lui manque une carte avant de recycler son golem. Peut-être pas. Attendez, il a mis baby... Non, il a recyclé, hein. Il a mis les 2 dragons, la tornade et le fût. Donc il a recyclé son golem. Ouais, il était juste en retard au niveau élixir. Par contre, ouais, faut qu'il joue, hein. Oh non, pas une charrette, pas une charrette. C'est terrible. Après, il l'a très très mal positionné parce que du coup, elle va se faire target par... Oh, il a une cage. Oh non. Oh, ça va être horrible. Oh, je le sens, cette game va être très très longue, les amis. Oh oui, ça par contre, je prends. Alors ça... Ça, je prends tous les jours, hein. Ça aussi. Hop, la petite activation de tour du roi. Eh ouais, t'es pas le seul, mon pote, hein. T'es pas le seul, frérot. Et il a pas de...
Ouais, je pense qu'il a pas de foudre hein, du coup. Hein. Normalement avec Géant Elec. Enfin avec Géant Elec, avec Dragon Elec, pardon. Donc on va attendre qu'il rajoute quelque chose. Est-ce qu'il va refaire la même connerie? Oui. Parfait. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attendez, parce que là, il y a une... Il y a une mamie sorcière, moi j'ai pas signé pour ça là. Mamie, tu restes dans ton coin là. Oh la grand-mère de Ruru là, on l'a pas demandé là, on l'a pas sonné. Qui est-ce qui l'a réveillé là? Qui est-ce qui a réveillé la grand-mère de Ruru là, comme ça là? Je pense qu'on peut y aller hein. Ouais, je pense qu'on peut y aller. J'ai pas envie d'y aller trop tôt non plus. Mais si on envoie une bonne foudre sur la cage, après ça veut dire qu'on aura plus la foudre pour défendre. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Là, je pense qu'on va foudre derrière le golem. Il va s'y attendre, il va essayer de body block. On va foudre derrière le golem, vous allez voir. Ah, peut-être ici en vrai. Ici, là. Là, ça peut être pas mal, là. Là, ça peut être très... Ah, merde. J'avais oublié ça. J'avais oublié ce détail. Oh, c'est terrible. C'est terrible, cette game. On tient la défense, ça va. On peut peut-être... À chaque fois, on met des bonnes pressions, du coup, de l'autre côté. Hein. On met même des très, très bonnes pressions. Je pense qu'on peut même partir du même côté comme ça. Hop. Et on va voir même. On va voir. Là, je pense qu'on a le dessus. Honnêtement, là, il repart en golem. Mais je pense clairement qu'on a le dessus. Ce qu'on va faire, c'est ça. S'il met une cage, on va instant la foudre. Allez, mets ta cage goblin, s'il te plaît, mon ref. Non, pourquoi je fais ça? Ça va être target du coup. Bah oui. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas trop grave. Enfin, il reste une minute. Ouais, faut faire attention quand même. Faut faire attention. Ah, le baby dragon qui est vraiment embêtant là-dessus, là. 40 secondes. Faut faire attention à pas se faire avoir aux dégâts des 100. Ok, on va être plus agressif là-dessus, je pense. Ah bah lui aussi ça tombe bien, super. Allez la foudre, pas de charrette. Nice. Let's go là. Je pense que c'est let's go hein. Let's go. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé à droite. J'étais surtout concentré sur ma défense. Mais ouais, la foudre qui a one shot le gobelin et tout, c'était parfait. Même s'il mettait une tornade, honnêtement je savais qu'il pouvait difficilement défendre. Et du coup, on va faire un bon petit rush. Hein. Parce qu'au final, on fait combien? On fait 4 victoires. 4 victoires pour une défaite. 7 défaites contre Arkix que j'aurais pu gagner. Le deck qui a l'air d'avoir quand même des grosses lacunes en x1 élixir. Donc méfiez-vous. Mais une fois que vous arrivez en x2 et en x3, franchement, il est super solide. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez ajuster un petit peu les cartes de soutien à votre sauce. N'hésitez pas à faire vos tests, à me faire vos retours dans vos commentaires, à mettre le petit pouce bleu. Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo et peut-être un prochain stream. C'était le Monty. Ciao, ciao.